je faisais une lecture avec ma femme. Pour, c'était commandé par la mairie de Château-Thierry. Donc Château-Thierry qui est dans l'Aisne, pas très loin de la maison à Villeneuve-sur-Fer où ont grandi Camille et Paul Claudel. Et en fait, il y avait, pour la réouverture de cette maison-là, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, etc., ils nous avaient demandé une lecture, de faire une lecture tous les deux sur la correspondance de Camille Claudel et de Paul, et notamment autour de l'œuvre La Valse, donc qui est une sculpture de Camille Claudel. Qui, vu que c'était organisé par la mairie de Château-Thierry, qui n'avait pas énormément de budget, ils disent « bon, bah voilà, il faut qu'on ramène La Valse à Château-Thierry ». Et donc on se retrouve comme ça, et il me dit « bon bah, on la prend à deux, etc. et puis on la met dans la voiture, quoi ». Donc je dis, c'est quand même La Valse et tout ça, avec ma femme on est là, c'est quand même La Valse, c'est quand même un peu… Non, mais on la prend, etc. Donc on a porté La Valse comme ça dans, je crois que c'était une, et ça c'est assez important, c'était une Kangoo, ou peut-être une Citroën, je sais plus, bon, bref. Et on a porté La Valse comme ça dans la voiture, et en fait on s'est retrouvé avec, dans la voiture, avec La Valse au milieu, sur le siège passager, moi, ma femme, comme ça, et à tenir La Valse comme ça pendant tout le trajet. Et c'était, voilà, c'était très émouvant, en fait.